C'était plus que salvateur, je pense. Ça a été une obligation, vraiment. Parce que si j'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été, enfin, ça aurait pas été pareil. Ça aurait été beaucoup plus difficile à vivre. C'est un moyen d'expression. Mais le seul moyen réel d'expression que je pouvais, pour des mots qui n'existent pas, par exemple, pour des mots, ou du moins des mots qui n'étaient pas intégrés à l'époque, quand j'étais vraiment gamin, dans mon vocabulaire, ça a été une manière complètement à la fois inconsciente, parce que je réalise des fois qu'il y a des trucs que je savais même pas ce que ça voulait dire quand j'étais gamin. Et des angoisses, des trucs comme ça. Bon, il y avait aussi des trucs très positifs aussi. Un monde assez surnaturel, vraiment, pour le coup. Et du coup, ça a été un moyen d'exprimer pas mal de choses. Angiolo Maria Costa est un tout jeune artiste de 22 ans qui vit à Bastia. C'est la galerie Noir et Blanc, précisément à Bastia, qui lui donne, il y a quelques mois, la toute première occasion d'exposer son travail foisonnant et minutieux. Une opportunité formidable pour ce jeune homme à l'imagination débordante qui se réfugie depuis l'enfance dans le dessin et l'expression artistique. Mes trois premières années d'école primaire, ça a été un calvaire total. Je me suis retrouvé avec des instituts complètement... aucun sens de pouvoir gérer un enfant, ce genre de choses. Et puis moi, voilà, on a découvert après au CE2 que j'étais dyspraxique. Alors la dyspraxie, il y a des différents stades, c'est vraiment... un handicap pour certains, mais pour moi ça allait encore. C'était vraiment au niveau psychomoteur, c'est-à-dire au niveau des mains. Et le seul truc qui est vraiment dingue, c'est que j'arrive quand même à dessiner malgré tout, parce que voilà, gamin, vers 6 ans, 7 ans, je savais pas faire mes lacets, j'avais du mal à couper des trucs au ciseau, à ma viande. Enfin, il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire. Et les trucs que je pouvais faire, d'ailleurs, je les faisais très très lentement. J'étais beaucoup plus lent que tout le monde. Ce qui fait que voilà, quand j'avais des cours à écrire en classe, la moitié des cours n'étaient pas écrits. Mais c'était vraiment très difficile parce que voilà, moi j'ai eu des remarques dans mes bulletins, enfants hors normes, des trucs comme ça, des trucs hallucinants. Je me suis dit, bah oui, c'est sûr, je suis en marge de la société depuis que je suis né, quoi. C'est arrivé très vite. Angiolo Maria Costa est né le 21 septembre 1998 à Bastia, mais c'est Pianello, son village maternel, qu'il aime par-dessus tout et où il se sent le mieux. Du fait de sa dyspraxie, sa scolarité sera vraiment difficile et parfois douloureuse. Mais la rencontre avec quelques enseignants formidables, la pratique de la musique, du chant, du théâtre, vont lui permettre de surmonter ses difficultés et de s'engager dans la voie qui le passionne plus que tout, celle du dessin, de la peinture et désormais du dessin animé. Au fil du temps, il apprend, s'améliore, les projets se multiplient, Angiolo Maria trouve son rythme et il a la vie devant lui. Ça vient en fait d'un univers que j'ai vraiment commencé à constituer vraiment quand j'étais petit, pour échapper en fait aussi à... Voilà, il y avait des difficultés assez importantes, des angoisses, des problèmes avec mes camarades, des problèmes avec les instituts, des problèmes à la maison parce que mes parents ne comprenaient pas la situation. Une enfance assez violente et moi en fait, voilà, je me revois encore devant mon père qui en avait marre, qui me disait « Dichède, Adi !» Et moi, j'étais dans un monde complètement différent. En fait, j'étais vraiment dans mon rêve, mais perpétuel. Et c'était un moyen de m'échapper un peu de cette réalité qui, pour un enfant, je pense, était quand même assez difficile à supporter. Ce qui m'a vraiment bercé mon enfance, c'est Claude Ponty. Ça a vraiment ancré Claude Ponty dans mon dessin. Après, il y a les studios Ghibli en animation, parce que je fais aussi du dessin animé, mais c'était vraiment... un truc qui m'a beaucoup inspiré, Le Voyage de Chihiro, tous ces films. Mon inspiration, elle vient aussi après de Jérôme Bosch, que j'aime beaucoup. Après, on me compare souvent à Di Rosa aussi. Mais oui, c'est vrai que je retrouve des trucs que Di Rosa peut faire et que des fois, je me dis punaise, je me sens moins seul. Ou du moins, il y en a plusieurs aussi dedans. Mais... Le tableau qui s'appelle Humaine humainement, c'est donc un espèce de grand squelette féminin qui est enceinte de la terre. Et il y a plein de personnages qui ont un certain regard sur ce squelette. Et ce squelette, en fait, représente ta posture féminine dans la société. Moi, j'ai vu ma mère qui s'est retrouvée seule avec moi, donc qui s'est toujours occupée de moi, qui s'est battue. Mes dessins, généralement, ont un lien très important avec tout ce qui est maternel. À travers un univers complètement, qui peut être parfois très bucolique, très rêveur, mais qui va parler de choses très, très fortes dans la société, peut-être parfois dans la société comme dans plein de choses.
J'ai pas forcément toutes les techniques, mais je trouve des alternatives pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. En fait, il suffit de bien observer le mouvement des gens après, ou enfin, par exemple de quelqu'un qui marche, de quelqu'un qui se tourne, parce que voilà, quand quelqu'un se tourne, on voit tout le visage changer de forme en même temps qu'il change de position, en fait. Donc il y a plein de choses qu'il faut être observateur pour pouvoir être artiste, que ce soit dans le dessin ou dans l'animation, ou peu importe d'ailleurs. Thank you.